Bonjour à toi, on se retrouve pour le message quotidien. Aujourd'hui, nous allons regarder le mercredi 12 octobre 2022 et on va utiliser un tarot. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, ici, on a déjà une carte qui est donc le valet de bâton. Ici, il y a des actions que vous allez commencer à mettre en place. Cette carte veut nous dire qu'il y a des choses qui vont commencer à prendre forme dans la matière. Vous avez des idées qui arrivent, vous avez effectivement des projets qui arrivent, vous avez des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Et avec ce valet de bâton, on vous dit qu'effectivement dans la matière, les choses vont commencer à arriver. Vous avez peut-être ici l'impression de vous sentir un petit peu enfermé, de vous sentir prise au piège, peut-être par rapport à une situation. Il y a des choses que vous ne voyez pas, il y a des choses effectivement qui ne viennent pas à vous et vous avez peut-être ici l'impression d'être prisonnier d'une situation. Ici, avec ce 6 de bâton, il faut retrouver un équilibre par rapport à cette sensation. Ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des nouvelles choses qui arrivent, il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles relations, il y a des choses dans la matière qui veulent se mettre en place. Cependant, j'ai l'impression que vous vous emprisonnez seul par rapport à vos idées. Ici, il y a des fausses croyances, il y a des choses que vous vous êtes mis en tête et en fait qui ne sont pas forcément réelles. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Ici, il faut peut-être retrouver un équilibre. Il y a un succès qui arrive, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose de très positif ici qui peut se manifester dans la matière, mais il faut vous délivrer de quelques croyances qui sont fausses en fait, qui ne sont pas dans la réalité. Vous seul pouvez créer votre réalité, les amis. Donc, soyez dans le positif et ne vous renfermez pas dans des peurs. D'accord? Ici, avec cette carte-là, on peut nous dire qu'effectivement, alors, vraiment le message ici, il est vraiment très clair. C'est-à-dire que tout se met en place, tout se met en place dans la matière, en termes d'idées nouvelles, en termes d'action, en termes relationnels, financiers. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une abondance qui frappe à votre porte. Il y a quelque chose qui ne veut que entrer. Cependant, il faut vraiment, ici, avec ce 8 d'épée, vous sortir de ces croyances limitantes. Il faut vous sortir de cet emprisonnement dans lequel vous vous êtes mis. Ou peut-être vous étiez en train de vous dire, ben, je ne vais pas y arriver. C'est trop compliqué, c'est trop long, il y a des choses voilà, que je n'y arriverai pas. Et pourtant si, c'est à votre porte les amis, ça arrive, vous voyez, avec ce valet de deniers, ce valet de bâton. Ici, il y a vraiment les choses qui arrivent les amis, il faut y croire, c'est à votre porte, il faut vous délivrer de certaines choses. D'accord? Trouvez un équilibre, le succès est là, ne soyez pas dans la dépendance, ne soyez pas dans cette espèce de négativité qui vous empêche d'avancer, voilà, qui vous emprisonne et qui vous empêche d'avancer. On va regarder une dernière carte et regardez les amis, on a le 10 de denier. Ici, on nous parle d'abondance complète en termes matériels, en termes de projets, une abondance financière qui arrive. Ici, il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive, les amis. Libérez-vous de vos croyances et vous allez récolter tout ce que vous avez besoin et ce que vous avez demandé. Je vous souhaite un très bon mercredi. À bientôt !